Haïtien Forum, c'est un dossier ancien Premier ministre pays d'Haïtien, qui c'est Docteur Claude Joseph. Et mais justement, dossier ça prend une autre dimension, il prend une autre étape. Et de fait, dossier ça définitivement, 14 septembre, qui a venu là, président dominicain, qui c'est Luis Abinadel, l'a pris entrée Washington DC avec dossier ça. Eh bien, nouvelle là qui s'allie, il y a un journal en Dominicanie, il y a un plus gros média en République dominicaine, qui c'est Diario Libre. Eh bien, justement, il fait nous connaître que, à partir du 14 septembre, qui a venu là, président dominicain, qui c'est Luis Abinadel, a rentré dans le pays les États-Unis d'Amérique, et bien justement pour la Chita, ensemble avec 14 septembre, qui a venu là, président dominicain, pour la Chita, ensemble avec vice-président les États-Unis d'Amérique, qui c'est Kamala Harris, dans Washington, D.C. Et bien justement, rencontre ça, il va le faire autour de crise qui a dominé le pays d'Haïti. Et bien justement, nous sommes capables définitivement que le président dominicain, qui c'est Luis Abinadel, est plus préoccupé par ce qui s'est passé dans le pays d'Haïti que la République dominicaine. Mais justement, tout le monde est capable de connaître très bien. Objectif là, ce n'est pas l'autre. Objectif là, c'est de comment Abinadel est capable de possibilité pour envahir le pays d'Haïti. Parce que technique là qui s'allie en nous pacifier le pays d'Haïti. Qui s'est passé avec des militaires dominicains pour Abinadel ta débarquer dans le pays d'Haïti, soi-disant pour lui dire ça que il pourrait pacifier la République d'Haïti. C'est là bagarre la durée. Mais définitivement tout le monde connaît qui ça. Gagne un complot cap manigancé sous dos pays d'Haïti. Complot ça, premier bagarre que m'a dit peuple haïtien. Son complot qui sorti bon côté les oligarques corrompus de Pétionville. Son complot Reginald Boulos et Dimitri Vob. Parce que c'est des nexa qui va plus l'argent pour tout le président pays qui c'est président Jovenel Moïse. Et bien, nexa fait tout ça qu'on connaît pour être capable de tourner dans le pays d'Haïti, pour être capable de vivre tête fouette dans le pays d'Haïti. Et bien, il faut qu'on ait propre cellule sécurité pas yo. Il faut qu'on entre avec groupe étranger pas yo pour venir sécuriser dans le pays d'Haïti. Et c'est l'armée dominicaine qui a fait confiance. Parce que Abinadel, c'est un descendant libanais. Honnêtement. Ok? C'est quatrième génération en dedans. Pays ça en République dominicaine. Même Jean Touboulos, c'est quatrième génération en République comme Libanais dans le pays d'Haïti. Mais qui s'est passé? Boulos, extrêmement, vient gagner, comme tu as dit ça, yon broker. La Boulos réalise que lui Abinadel Zamil, capable de devenir président en République dominicaine, monsieur manifeste volonté normalement pour le président du pays d'Haïti. Nous voyons que Jean Boulos m'a enragé avec le mouvement Troisième Voie pour comme si, oui, ce n'est pas moi qui ne pas cacher des portes encore, je ne pas pour me mettre président encore. Définitivement, je m'a présenté comme candidat à la présidence. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé, peuple haïtien, bon Jean qui était Boulos? C'est Boulos qui campait derrière moi, qui a dirigé les gens, qui ont remonté dans le tout pour faire tout la coopération pour lui. Si c'est lui-même qui veut président de la Haïti, définitivement, Boulos a pris un peu bouton, la photo tout haïtien d'ailleurs. C'est Libanais qui a rentré dans le pays. Comme si Mdadjou a prêté comme ça dans le pays d'Haïti, de temps en temps, comme si Mdadjou a gongé, a pété, combattu, a pété, et puis, qui s'est fait, c'est de Libanais qui a goumé. Le regard de ces bombes atomiques à gauche, bombes atomiques à droite, n'a pas avec ça, il a éclaté Kaili. Comme si le pays d'Haïti, t'as vu nous représenter une véritable menace pour Caraïbes ou bien pour le monde entier, parce que c'est des terroristes définitivement nous apprendre dans le pays. Mais comme nous qui avons un petit groupe terroriste là déjà, et que yo pas en pile, yo représente environ 5% dans le pays, yo prouvé que c'est des terroristes complètement. Faut que nous fassions tout ça que nous connaissons pour nous mettre dehors. Mais le même objectif, c'est pour prendre 27 750 km² qui se bout de papa de saline de mourir pour nous. Boulos envie prendre, et il tellement envie prendre, il tout est président. Cap défendre majorité, li touye président. Et je dis à l'autre bagay cap comme si cap boujonne dans l'esprit yo, c'est de comment être capable de faire président dominicain organiser pour envahir le pays d'Haïti. Et bien, qui s'est passé? PM Claude Joseph campé en quoi? Et là, yo constate que yo gon green obstacle dans le pays d'Haïti qui fait que yo pas capable d'envahir le pays d'Haïti. Le docteur Claude Joseph. M'gèle pas sonne yo pas prendre tout l'autre monde dans le pays pour moun encore. C'est Claude Joseph yo prend comme moun cap. Et qui campait en face yo pour pas faire ça en vie faire. Et bien justement, il y a une pile d'informations qui t'a fait quoi que, rencontre que le président dominicain a gagné avec le vice-président des États-Unis d'Amérique, qui c'est Mme Kamala Harris, et bien,
ces rencontres pour regarder comment je suis capable de faciliter la tâche pour que vous envahissiez le pays d'Haïti. Bien que je connaisse ça, je me fais même dans le rêve. Président Luis Abinadel, vous êtes saisi. Vous avez dirigé un bel petit pays, tant que la République dominicaine. Moi, je crois que Dominicain est vraiment en pile. Je crois que vous avez fait un bel travail pour vous, ou son bon président, pour vous-même. Mais j'espère que vous ne pouvez pas casser dans ce qui est pour vous avec le pays d'Haïti. Parce que l'objectif de l'OSLA, là, il n'est pas jamais atteint. Objectif Dimitri Mobla, les papes jamais atteignent. Et le peuple haïtien, m'espère que nous comprenons exactement ce que Général Boulosio, ce que Dimitri Mobio, il y a une autre façon dans le pays. Et m'a dit nous définitivement, bataille là, il prend l'autre dimension. Combat, il prend l'autre dimension, c'est le Libanais qui a goûté contre le peuple haïtien. Assumer responsabilité nous. Je dis à Gonjan pour qu'il campe comme haïtien. Choisis quand nous, choisis position nous. Si vous campez dans le camp Dimitri Mobla, qu'il y a un micro là pour défendre Dimitri Mobla. Sous campé dans le camp de Païsien, quel est le micro là pour défendre la majorité de Païsien? Sous campé dans le camp régional Boulos là, quel est le micro là pour défendre le régional Boulos? Assumez responsabilité non. Païsien n'a continué avec point 4 domine actualité. Nous connaissons que dans le pays d'Haïti, dans le jour qui est pour venir là, et déjà, FBI a déjà dans le pays d'Haïti pour que vous montez avec plusieurs dans l'assaillant qui était tout le président pays, qui était le président Jovenel Moïse. Eh bien, d'après M. Newton, c'est juste, fait nous connaître que dans le jour qui est pour venir là, et les États-Unis d'Amérique, t'as pris 4 ressortissants dans le pays d'Haïti qui ont participé dans l'assassinat du président pays, qui est le président Jovenel Moïse. Parmi eux, nous gagnons James Solage à la tête. Nous gagnons, en deuxième, nous gagnons Pasteur Emmanuel Christian Sanon. En troisième, nous gagnons Joseph Vincent, bon ami Don Kato. En quatrième, nous gagnons. Et n'est qui était responsable sécurité nationale, qui c'est Jean Laguel civil qui gagne un passeport américain. Peu haïtien, dossier à l'abdomen actualité, et bien de fait, nous pral partager quelques informations ensemble avec nous dans l'académie sur ça. Et nous allons attendre M. Newton Louis Saint-Just, qui pral partager ensemble avec nous informations sur ça. Déjà, je dis bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui côté qui l'est, vous attendez nous et vous regardez nous encore une fois, chacun nous connaît. C'est toujours un plaisir pour moi pour que nous ensemble avec nous. Et ça a vraiment fait du bien. À chaque fois que je me connais, je vais partager un moment ensemble avec nous et que je me connais, nous allons réagir exactement avec les commentaires. Alors, c'est là que nous allons dire tout ce que nous pensons. Et bien oui, tout ce que nous comprenons. De ce qui dit dans l'académie Panouan qui passe sur la plateforme Panouan, qui est la plateforme YouTube Info Berto. Parce qu'il est clair que nous tendons, nous comprenons, mais justement, en signe d'appréciation, si nous mettons travaillant, nous va montrer que nous like tout d'abord. Et puis justement, nous-mêmes, nous mes amis, nous sommes des gens qui pas égoïste du tout. Là, nous tendons l'émission, nous prenons, nous partager avec tous les amis, famille nous qui sont en contact WhatsApp. C'est extrêmement important pour que vous partagez l'émission ça tout côté et tout côté qu'on capable de partager le groupe Facebook. Groupe WhatsApp, contact WhatsApp ou partager tout partout, faciliter l'émission ça, arriver jeune toutes les amis, famille. Justement, et l'aile va arriver plus bien, c'est l'émission qui va arriver dans le temps de Dimitri Vop, prendre responsabilité. Non. Exactement, peuple haïtien nous connaît déjà. Moringa Haïti, et mes produits ça, nous capables de servir sans mavel. Et justement, n'a regardé exactement dans ce spot là n'a pour numéro de téléphone là n'a pour numéro de téléphone là et m'a venu avec un bête sonore pour nous côté que m'a donné plus information d'accord et de produire ça et que n'a partagé numéro ensemble avec vous mais entre temps ou même et regardez vidéo regardez ce spot là et puis pendant quelques secondes on va découvrir numéro on va capable reler dans numéro et puis on va capable commander pour vous capable demander toute information qui gens qui capable utiliser pour du et qui gens pour du ça li capable aider ou sortir dans situation que ou va confronter avec madame ou sous cabane barrer ça comme garçon parce que gen outil gen ban c'est un produit qui capable aider ou gérer foyer parce que dossier cabane là l'extrêmement important pour que ou gérer ça en tant que garçon avec madame l'extrêmement important pas que monde qui va pas gérer dossier ça debout sous cabane avec madame nous sont l'autre monde costume monde de bien monde sérieux monde bagarre là nous mettel dans salon nous la gueule dehors mais dans chambre dans sous cabane sont l'autre dossier prendre responsabilité nous ça pas intimité là dedans pas cachoter là dedans prendre responsabilité nous on avance zone mon Haïti dans les spots là et puis on tourne on avance. Gebon c'est une formulation qui fait à partir de 13 plantes médicinales qui gain pour nourrir corps réparer cellules augmenter énergie physique et mentale compenser carence en nutriments liquéfier sang pour permettre une meilleure circulation dans l'organisme. Bi principal li c'est produit hormone testostérone qui pral augmenter libido et qui pral augmenter désir sexuel.
Genzouti, c'est une crème qui est formulée à partir de produits naturels. Objectif, lui, c'est augmenter l'élasticité dans le tissu spongé pénis, là, qui c'est peau pénis. Là. Et en même temps, il est pour nettoyer le corps caverneux pénis, là, qui c'est veine pénis. Là. C'est toutes des actions qui permettent les pénis là, en érection de recevoir plus de sang et puis de détirer dans la longueur et dans la largeur. Évidemment, papa ici, Jean, comme dit nous, un dossier PM Claude Joseph là, avec le président dominicain qui est le président Luis Abinadel, il prend l'autre étape, il brille vraiment une autre étape, il prend l'autre dimension. Et dossier ça, définitivement, 14 septembre, qui vient là, la privé Washington DC. Aïe, 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 monsieur. Washington DC, c'est gros causé. Nous connaissons que 20 septembre qui est pour venir là, il y a des groupes qui sont faits dans Washington DC. Mais le président dominicain, justement, il y a une rencontre avec le vice-président. Les États-Unis d'Amérique, qui c'est Madame Kamala Harris, et mais justement, rencontre ça, l'a fait justement sous pays d'Haïti. Ça va être chargé, oui. Définitivement, nous sommes capables de voir que le président dominicain prend le pays d'Haïti très au sérieux, et définitivement, tout le monde est capable de voir exactement qui est ce qui est ça. Et par rapport ensemble avec la déclaration que Boulos a fait, côté que Boulos dit, PM Claude Joseph, président Abinadel, ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit comme ça que il classé comme chef gang. Il classé comme chef gang. Qui est-ce qui rappelle Claude Joseph? Qui ça Abinadel dit dans un tweet? C'est Ewol Boulos, frère Reginald Boulos. D'accord? La famille Boulos. Il dit PM Claude Joseph, président Abinadel classé comme chef gang. Tenez bien, oui? Boulos dit président Abinadel classé PM Claude Joseph comme chef de gang. Peuple haïtien, si nous connaissons que PM Claude Joseph parle chef gang, nous avons une réponse pour nous bailler la famille Boulos dans le pays d'Haïti définitivement. Parce que tout le monde connaît clairement, c'est la famille Boulos qui gangsterise tout le ghetto dans le pays d'Haïti, tout le quartier populaire dans le pays d'Haïti. Nous avons pour devoir prendre responsabilité nous et pour nous prendre position bon côté haïtien contre les Libanais dans le pays d'Haïti. Faut que tout le monde soit ça. Prendre position. Pour la République d'Haïti, pour le peuple haïtien, pour diaspora haïtienne, contre les voyous criminels, assassins, kamikazes libanais dans le pays d'Haïti. Il faut que nous honnêtes avec tête. Position, il faut qu'il clair. Sous camp de Dimitri Vob, qui est le micro là, défend Dimitri Vob comme le micro. Il faut que nous clair sur ça. Je dis, il faut que nous ouais, vrai petit pays d'Haïti avec ennemi pays d'Haïti. Parce que les nègres qui ont micro dans le pays, qui sont tête green dans le pays d'Haïti, qui pile libanais parce que boulos. Qui pile gang parce que boulos dans le pays d'Haïti. Et je dis à papa ici, découvrir les gens qui font des choukailles physiques sur eux. Parce que les gens, c'est eux qui représentent des forces boulots dans le pays d'Haïti. Automatiquement, les gens qui existent dans le pays, ils garantissent que les gens ne peuvent pas gagner. Les gens ne peuvent pas voir un pip tabac dans le pays encore. Je dis en vraie bataille. C'est haïtien, vrai haïtien, qui a conscience à prendre défense haïtien conséquent. Prends position pour Haïti. Libanais à défendre les Libanais. Je dis à complot à nous, elle fait. Faut haïtien, mettez au bon côté, peuple haïtien. Proposition, papa de Saline. Proposition, Boukman, proposition, Capra Lamoa. Parce que Boulos, proposition avec les Libanais pareil. Je dis à un jeune garçon qui sur les réseaux sociaux, qui a pris l'argent seul avec Dimitri Vob. Ton écrasé, peuple haïtien, qui a contre nous, et a pas l'ensemble avant, il a pris disposition pour attaquer définitivement. Parce que définitivement, on a plus gros ennemi pays d'Haïti. Et on a son traite national qui a pied. Parce qu'il faut que je dise, il faut que qui est-ce qui est ennemi ou? Qui est-ce qui est ennemi pays d'Haïti? Un groupe nègre, c'est intérêt personnel ou ça, mais c'est machin que vous pas gagné de pays dans tête. Imaginez, pour un état fait 12 millions de dollars américains dans le pays, et puis pour payer, pour zone commune côté que la vive là, sale pour payer dedans. Pour ressentir, on est quoi pour dans l'ONA, on prend 2 milliards, 900 millions de gouttes, ou pour acheter des business de machine, ou bien hôtel dans Pétionville, tout côté Pétionville, c'est gros pile fatra, ou pas franyé, ou pas aider pays comme si, non rien du tout, ou pas mettre ma quête tribo pas bon dans le pays, ou pas faire route, ou pas franyé, c'est l'État à rançonner seulement, ou pas participer dans rien comme développement dans le pays, ou pas faire business tout partout dans le pays, ou pas ramasser l'argent seulement. Je dis, il faut que tu aies un groupe qui peut te camper, qui peut te dire mon cher Alte là. Il faut que ça suspende. Nous arrivons trop loin.
Fok sa ta fon kampe. Et je dis ya, c'est moment ça qui arrive. Et bien justement, Jacques me dit nous, dossier PM Claude Joseph Lan, li pa arrêté là avec président Abinadel. Encore une fois, m'a répété ça qui dit dans tweet PM Claude Joseph Lan, le que président Abinadel te prend, te sorti arrêté présidentiel là pour que l'été interdit de rentrer en République Dominicaine. M'a pris tweet PM Claude Joseph Lan pour nous, et puis m'bral banon suite là. Qui s'est passé PM Claude Joseph répond, lui dit comme ça que président Luis Abinadel interdit de rentrer en République Dominicaine. Li classé comme l'ennemi numéro un raciste dominicain. PM Claude Joseph continue pour le dire, ce n'est pas une sanction, c'est un honneur. Ok? Moi, je recevoir dans non, Papa de Saline, dans non, Toussaint à Christophe. Je continue pour me pour construire le pays dans la dimension histoire. Et c'est le premier bagage. Je dis à tout pays sous la terre qui gen haïtien k ap viv la dan yo automatiquement yo pa lo detourner la kayo ou senti que yo froissé ou senti que tout kay des problèmes. Qui ça fait ça? C'est parce que la kayo pa bon, la kayo sale, la kayo senti. Qui ça fait la kayo sale, la kayo senti? C'est des groupes nèg qui rele tête yo, moun ka fait business ou bien la bourgeoisie avec un petit groupe clic, un petit clic qui mette yo, qui dans politique qui mette yo au service les oligarques corrompus, groupe dominant sa yo, qui fait payant, sale payant pourri, payant senti. Parmi yo, ou je n'y reste avec ta comme Jean Charles, qui va vle au cap haïtien propre, qui va vle cap haïtien propre. Et bien définitivement, nous est que, moun sa yo, yo campé en quoi, pour payer d'Haïti, va jamais moun sa yo, yon vent changement. Donc si vent développement, ça va que le fait dans pays d'Haïti. Et on sentit que il y a des monde qui dans diaspora qui manifeste volonté pour venir participer dans développement dans pays d'Haïti, monde ça au ba long kembe. Yo kembe à distance, yo dit que pas gain droit pour venir investir dans pays d'Haïti. Et nous te wel, Moïse Jean-Charles campé en face diaspora haïtienne non, qui dans vivre investir dans le nord, qui dans vivre prendre le nord comme deuxième ville pays comme destination touristique pays d'Haïti, comme première destination touristique dans pays d'Haïti. Nous avons une politique quasi ça. Et on mette moun nan media sur les réseaux sociaux pour attaquer moun qui fait promotion pour les cap haïtiens. Noël, complot à mes côtés commencé. Après PM Claude Joseph fin fait tout ça, il dit comme ça que PM, alors président dominicain était dit rentrer en Dominicaine, il est classé comme ennemi numéro 1 et raciste dominicain dans le pays d'Haïti. Régional, alors la famille Boulos dit comme ça que pour il font premier tweet. Alors, il commente tout PM Claude Joseph là. Il dit qu'on s'accueille 13 bandits. Yon gros chef à 12 petits chefs. Man yon, man yon tout. Président Abinadel, man yon tout. Tenez bien, oui? Boulos dit qu'on s'accueille 13 bandits. Yon gros chef, 12 petits chefs. Man yon, man yon tout. Président Abinadel, man yon tout. Boulos qui dit ça. Ça veut dire que Boulos classe PM Claude Joseph. Songez bien. Docteur Claude Joseph commençait à subir attaque. C'est depuis le président Jovenel Moïse a choisi Claude Joseph comme premier ministre par intérim. Il était classé, il était dit comme ça que premier ministre pour un petit bout de temps. C'est depuis le samedi où Reginald Boulos commençait à attaquer Docteur Claude Joseph. Oh oui, si Claude a vu le premier ministre, si Claude ceci, si Claude pas capacité, si Claude pas capacité, comment il est compétence, si Claude pas expérience politique pour la vie de premier ministre, il va ceci, il commence à dire si Claude, c'est au moment pour te minimiser, comme si niveau arrogance Boulos, l'honnêteté grain, rivé président, le jeune rivé président, c'est pas sous approbation les oligarques corrompus, ça veut dire que il a traité de toutes sortes pour banaliser, pour réduire. À zéro, pour yon faire peur, pour yon faire vini joindre yon, pour vini prendre bénédiction yon. Tout premier ministre de Haïti, sous pas joindre bénédiction, Reginald Boulos, Dimitri Vob, tout oligarque corrompu sa yon, et comme si m'dadjou pas moun, ou pas jamb ta l'école, ou pas jamb te compétent, ou pas jamb te gen expérience du tout. Parce que pour gen expérience, faut vini ka Boulos la, pour Boulos dit, c'est moun choisi ou comme premier ministre. Mais comment pays a fonctionné, oui? Je dis, ouais, vrai ennemi, les Boulos, c'est PM Claude Joseph.
président Abinadel prend décision pour que PM Claude Joseph pas rentrer en Dominicaine. Là le fait ouais et son crime ça y est, on met docteur Claude Joseph ancien premier ministre sur une liste qui a 12 chefs gang. Boulos dit comme ça que yon gros chef ça dit c'est PM Claude Joseph qui gros chef gang là. Papa ici nous tendez oui. La famille Boulos classe Claude Joseph comme gros chef gang dans pays d'Haïti. Nous même qui c'est des jeunes, jodi a qui décide de rentrer dans politique. Boulos en face nous. Et faut que nous attaquer Boulos. Faut que nous attaquer la famille Boulos jusqu'à dernier retranchement dans pays d'Haïti. Faut que nous fassions directement. Parce que yon en face nous. Oui, yon en face nous. Bata sa faut qu'il fête. Nous tous les présidents, ça va suffire. Nous mettons tous les jeunes garçons qui parlent avec des jeunes. Parce que le pas de j'aime te prendre bénédiction dans nous. Parce que c'est pas nous-mêmes qui te mettons comme premier ministre. Parce que c'est pas nous-mêmes qui mettons comme ministre des Affaires étrangères. C'est Jovenel Moïse qui ne fait pas consommer avec elle. Ban gang, ban kidnapper la famille Boulos. Ban terroriste. Haïti a changé, oui. Haïti a changé. C'est le peuple haïtien. Après une foutre manchette sous. Voyou criminel gang sa yo qui les tête yo oligarque corrompu tout sans ça pas fait dans pays d'Haïti ton écrasé pays m'a dit son dans ça que là voilà pour nous touyer voilà pour nous touyer dans pays ça je dis à ce moment crivé où peuple la venger nous comme gang comme criminel et peuple haïtien prend disposition pour river sous nous pour des choukay physique la fête dans pays d'Haïti je dis à ce grand dans bouda que lié. Nous touyer président, nous touyer tout le monde dans le pays, nous volons tout ça qui dans l'État, je veux dire, nous attaquer le monde, nous avons assassiné le caractère du monde. Nous devons faire politique, je veux dire, nous venons faire directement. Et il faut que le peuple apprenne la dimension. Ah, oui, il faut que le peuple apprenne la dimension. Pour Boulos, c'est dérespectant, monsieur. Ça fait mal en pile, oui. Ça fait mal en pile. Ça fait mal en pile et c'est qu'on aime à comprendre. Luis Abinadel comme Dominique Odia, monsieur son Libanais qui est lié, descendant Libanais, Boulos c'est Libanais. Et Abinadel c'est un ami Boulos, c'est un ami Dimitri Vob. Pour le président Jovenel Moïse assassiné, il y a un avion dominicain qui portait mercenaires colombiens rentrer dans le pays d'Haïti pour aller tuer le président. Pour le président Jovenel Moïse assassiné, d'après M. Newton Saint-Just, il y a environ 20 millions de dollars américains qui transitaient par la Banque de la République Dominicaine pour aller joindre assaillant. Ça veut dire que assassiner le président Jovenel Moïse, il y a un pile bagaille là-dedans. Là, oui. Aïe, 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 il y a un pile bagaille là-dedans. Oui. Mais on va tourner sur ça. On va dire Boulos, je vais, je viens. Je fais la tombe dans l'eau. Ce n'est pas juste ça le pourri. Bat chien, t'en met li Boulos. Bat chien, t'en met li. Bat chien, t'en met li. Pour responsabilité. M'a salué Dr. Claude Joseph. Avec toute jeunesse haïtienne. Avec toute femme avec soeur qui tendez nous dans le pays d'Haïti. M'a salué toute femme avec soeur qui vivent dans la diaspora. Qui comprennent de respecter sa queue. Président dominicain et qui comprennent tout clan ça complot ça cap fait bon côté libanais dans pays d'Haïti qui fin tout le président Jovenel Moïse pour tout le PM Claude Joseph peuple haïtien prend responsabilité nous bataille la faut qu'il fait bataille la faut qu'il fait et nous faut que nous faire notre dimension en nous prend position nous en nous assumer responsabilité nous voilà on avance. L'autre point qui domine l'actualité, je me dis, nous, M. Newton Saint-Just, eh bien, justement, fait qu'on est que, dans le jour où il y a quatre ressortissants, alors, il y a quatre Américains d'origine haïtienne, qui ont participé à l'assassinat du président Jovenel Moïse, c'est des barons qui ont eu, gros paletons d'assassinat, eh bien, les États-Unis d'Amérique ont venu prendre yo, déjà, FBI dans le pays d'Haïti, pour qu'il vienne prendre yo. En notant de mettre tout en sérieux, qui t'avait devenu le micro, Madame Marie-Lucie Bonhomme. En avance.
Et des informations que nous avons, fait quoi que il pourrait prendre Vincent, Samon, et Solage, et éventuellement la Gelsine. Alors, quatre mois. Pour aller net, et, ou bien pour l'ajouter avec quelqu'un temps de et retourner. En principe, dans le cadre de coopération judiciaire internationale, tu es capable d'échanger et audition entre deux juges de système judiciaire. Mais nous sommes traités, ou bien nous nous traitons en parle pauvre dans tous les domaines. Ou bien ceux qui sont prêts à venir pour aller, on va tenir les d'accord. Ou bien ceux qui sont d'autant plus que ce sont des citoyens américains que vous voyez. Et donc, la justice américaine, non seulement il y a pour reprocher à la fête la caillou, ils sont des citoyens américains, ils sont capables de décider qu'ils sont compétents. Maintenant, sur le dossier lui-même, si nous avons seul bagage, un rabat qui fait pessimiste dans le ce dossier, je suis toujours optimiste, même pas fou, pas aveugle, pas naïf. Et tout temps, juge, traité de ce ça pas fait rapport en complot qui était fait aux États-Unis avec des citoyens. Head and Shoulders triple action pour tu cuero cabelludo. Il travaille pour FBI, CIA, DEA, donc des anciens agents, des actuels agents de l'administration Biden, avec nous en Haïti, nous n'avons pas besoin de jouer ça qui est important pour nous, de masterminds, les auteurs intellectuels, de ce que c'est même qui est important. Nous qui sommes en prison, là, c'était des exécutants. Mais ça qui est important, c'est qui est ce monde qui te baille comme ça. Parce que l'autre jour, encore en République dominicaine, sous nous disons que il y a l'argent qui est même sorti dans des banques américaines qui a la République dominicaine pour certaines Jovenel Moïse. Et nous avons tout attendu des sénateurs et Jacques Sauvageur qui t'a dit que je venais là-bas mourir, c'est vrai. Et dire que les gens qui ont besoin de 10 millions de dollars pour assassiner, ils ont 15 millions. Ils sont pas dit tellement. Ils ont tellement vite tous les jeunes là. Comme si ils sont pas dit tout sauvé pays, ils ont investi quand même. Et donc, deuxième bagarre là, pour joindre l'argent, il faut que j'aille pour que l'argent soit aussi. Et pour le faire, il faut avoir des moyens pour aller en République aux États-Unis et avoir des conventions que nous signons pour ça. Parce que ça nous comprend. Et dossier ça, juge, ce sont des juges triés sur le volet maintenant en Haïti. Et moi, je réfère à un article que Mme Salud Hernandez Mora, qui sont colombiennes, écrit pour le journal La Semana. Il dit que certainement la justice haïtienne n'est pas sûre, n'est pas faible, n'est pas résoudre le problème ça. Mais il n'y a pas de confiance tout. Que le gouvernement américain, l'administration Biden, n'a pas la vérité, ou tout au moins ça baille sa vérité. Et nous même dit dans l'article là qu'ils sont en train de chercher des boucs émissaires. Parce que de l'autre côté, moi, ni enquête haïtienne, ni enquête américaine, pas de l'arrivée, pas arriver. Pas quand c'est dans le primat du visite, pas quand c'est dans le secteur politique ou le secteur privé, pas quand c'est dans le département d'État, parce que il y a des gens qui ont des rapports par le passé. Ou bien actuellement avec le département d'État qui était au courant, au moins, tout le groupe a apporté les preuves journal. Maintenant, tout le second qui voit que nous avons déjoué, si on a arrêté la voie de l'État, on la prison, on va faire lien entre les gens qui étaient préparés comme non, les cerveaux du crime, les gens qui l'ont, et deuxième bagaille, et qui est important d'avoir fait chez non. Le dit que nous qui était changé. Par contre, c'est ça. Le père était pour venir prendre journal avec le qui changé. À quel moment changé? Qui est ce monde qui changé? Faut me prendre qui? Oui, mais on s'est dans chaîne, mais c'est sur la chaîne de l'autre. Il y a qui ça, à partir de l'on s'est assassiné plutôt que... Donc, c'est une enquête et pas toi, le système judiciaire a des moyens pour ça. Et en jouant ses droits, on a pris un violé. Les Colombiens, qui n'ont pas connu les Soyo, les Haïtiens, et sous ça, il y a tout le monde convaincu qu'il y a des gens qui ont pris un tout, ils sont là, parce que n'est pas montré la fond de l'air, pas pour un exemple qui simple. Toutefois, nous avons dit que Léon Charles jouait. Léon Charles, au lieu de la diplomatie, il faut rencontrer la première question. Il a dit qu'il était en prison. Il a dit qu'il était d'ailleurs comme chef de police pays à un moment. Et il y a un ensemble d'éléments dans le rapport,
rapport d'enquête la police a gagné plusieurs parties de Charles Ferry tiré là dedans. C'est les mêmes qui étaient arrêtés comme c'est les mêmes qui dernier monde qui pour garder la pour compte ça pour être ça pour aller faut me connait pour que ça le retirer par exemple l'argent les flux l'argent passé dans les banques c'est pour aux États-Unis pour passer au Dominicain faut me connait pour que ça le Charles était retiré donc beaucoup ensemble d'éléments et qui doit être clarifié et me pas sûr que magistrat là n'a pas à quoi poser la capable. Et moi, je pense que d'après t'envoyer des informations avec le Dominicain, ou bien. Il y a un bagage qui est intéressant là. Maintenant, on s'est juste dit comme ça que Léon Charles retiré yon parti dans le rapport d'enquête de CPJ. Ça, c'est une question que je me toujours posé. Ou là, je ne peux pas dépasser ça. Honnêtement, je ne peux pas dépasser ça. Et ma clé sous ça, avec Léon Charles, faut qu'on dise nation vérité sous ça. Je toujours dis ça honnêtement. Je toujours le courage ça pour me toujours dire. Dans un premier temps, si Léon Charles te vle, pas ta bon Colombien qui t'a pas arrêté. Si te vle fait tout Colombien aller, t'a fait tout aller. Si le vle tout, t'a tout tout. Dans un premier temps, Léon Charles aide pour nous avoir le contrôle, pour nous avoir une vérité dans l'assassinat du président. Et c'est une vérité que Léon Charles te baille. C'est une déclaration qu'il te fait. Il te dit comme ça que il y a un jeune, non, deux gros auteurs intellectuels, crime, ça veut dire que les gens qui financent l'assassinat. Après, nous n'avons jamais entendu côté non ça au passé. DG Léon Charles, il faut que tu parles avant aujourd'hui. Jodi a nous besoin pour dire non. Qui non? Deux mouns qui ont été cités. Et après midi, il y a une émission qui a fait sur la plateforme YouTube. Il faut que tu après midi à 6h boule. 6h boule, oublier chaque jour nous live à 6h boule. Je vais passer déclaration. Léon Charles pour nous, comme DG la police nationale d'Haïti à l'époque. Quand elle te répété, il y a joué. Il y a un jeune de haute intellectuelle crime. Il a pas avancé toujours avec enquête là. Mais je dis à mettre yon ton, répétez encore. Gon parti qui a un rapport avec nek qui finançait l'assassinat de Moïse. Mais Léon Charles retire rapport ça. Retire parti ça dans le rapport de CPJ. Si c'est à vrai. Si c'est à vrai, Léon Charles. M'a sans respect pour vous et m'a fait nation sans respect pour vous m'a fait diaspora haïtienne sans respect pour vous et vous avez question pour répondre à l'assassinat président pays a quelque soit Jean Zaï parce que me dit nous pas venir chez figi personne m'a pas arrêté personne par contre personne c'est la vérité que n'a cherché parce que si nous ca touyer Jovenel Moïse et pas nous pas touyer ton écrasé me clair ça avec nous donc même Newton répondre ça pour nation pour nous oui c'est ça important le Charles joué. Léon Charles, on y est dans la diplomatie, il faut rencontrer la première question. Bah, il y a la prison. Il y a un rôle comme DG d'ailleurs, comme chef de police pays à un moment. Et il y a un ensemble d'éléments dans le rapport. Le rapport d'enquête de la police, il y a plusieurs parties de Léon Charles faire retirer la dedans. C'est les mêmes qui étaient arrêtés, comme c'est les mêmes qui dernier monde qui peut garder la pour ça pour être ça pour aller. Il faut me connaître pour que ça le retire, par exemple. L'argent, les flux, l'argent passé dans les banques qui se trouvent aux États-Unis. Hi, nice to meet you. C'est extrême, ça est extrêmement important pour que nous râlions sous lui. Parce que écoutez bien, évidemment, il n'y a pas de vérité dans ça. Léon Charles, comme DGPNH, si pas qu'il y a un rapport qui produit sur l'assassinat au président, pour DGPNH, il n'y a pas de rapport. Et maintenant, Newton, son avocat qui parle, il assume responsabilité. Li dit que il y a plusieurs pages que Léon Charles fait retirer. Moi-même, je vais nous rester sur ça pour nous tendre ça encore une fois. Parce que la déclaration est extrêmement importante. Il est capable de pays, il est capable de nous joindre la vérité. Parce que nous-mêmes, dans les Fobeto, c'est la vérité que nous avons cherché. Ça est extrêmement important pour nous. Tendez bien, oui? Oui, le système judiciaire nous a des moyens pour ça. Et dans ces droits, nous avons pris un cas violé. Les Colombiens, qui ne sont pas connus, et Haïtiens,
et sous samedi à tout le monde convaincu que il y a des gens qui dans prison en tout yo là et parce que n'a montré la fond bagaille pas pour exemple qui simple toute forme comme qui rôle que Léon Charles jouait Léon Charles au lieu de dans diplomatie à fort rencontrer la première question bas de la prison il vont voir que des d'ailleurs comme chef en police pays à moment et il y a ensemble d'éléments dans le rapport. Le rapport d'enquête de la police, il y a plusieurs parties de Charles Ferry tiré là-dedans. C'est lui-même qui était arrêté, comme si c'est lui-même qui était dernier monde qui peut garder la compagnie ça pour aller. Il faut le connaître pour qu'il s'est retiré, par exemple, l'argent, les flux, l'argent passé dans les banques qui se trouvent aux États-Unis, pour le passer au Dominicain. Il faut le connaître pour qu'il s'est retiré. Donc, beaucoup ensemble d'éléments et qui doit être clarifié, et je ne pas sûr que le magistrat là, n'a pas pouvait pas le poser, il capable. Et je pense que le DAP est envoyé des informations aux Dominicaines, ou bien aux États-Unis, et comme on comprend, qui est préparé pour nous aux États-Unis, je ne sais pas demander pour le temps de eux, mais faire des marches pour le temps de eux. Donc, je pense que de ce côté, c'est une enquête qui est bâclée, qui n'est pas privée et trop loin, et peut-être professeur n'a pas compris, je pense. La première son 10 ans juge dans le dossier ça en première instance. Ça clair, c'est que dans le dossier ça, et la difficile en pile, et ça fait me songer à journal, à titre journal Le Monde, à Nicolas Boursier qui dit que pour que ça soit impossible pour le dossier ça aboutir en Haïti. Depuis en janvier, monsieur écrit sur ça. Et côté que lui montrer gagner, nos campagnes de diversion en fait, l'autre, Maria Abiyadib qui a appelé dans le New York Times. Qui écrit toute bagaille sauf sous vrai ou pour nous joindre les criminels parce que il n'y a pas jamais fait lien entre criminels aux États-Unis, le département d'État qui voit l'administration Biden dans tes faits. Et puis, ouais, journal Le Monde lui-même, allez dans leur sens, il dit ça, madame Nadia, il a vrai, vous voyez, journal Colombie. Ça, donc, il y a une véritable campagne d'investissement. Il y a un gros moyen économique qu'a fait. Mm-hmm. Pour tout faire opinion, pour couper, pour se laisser orienter. Il y a orienté et tout faire en même temps. Mm-hmm. Orienté dans le sens pas, et là, il n'y a pas qu'à le sens pas. Donc, c'est gros moyen l'argent. On a parlé, et on a préparé aux États-Unis, les plus grands médias américains, et qui était le conseiller, vous avez écrit comme ça, et sous Haïti. Donc, le gain doit être caché, d'autant plus que, nous toujours disons, excusez-moi. Dans le dossier Jovenel, il y a toute piste sur table là. Il y a des gens qui viennent avec piste Jovenel pour des raisons géopolitiques, géostratégiques. Il était qu'à fermer les yeux sur l'assassinat parce qu'ils avaient des velléités, ils fait des avances pour aller vers la Russie, en passant par la Turquie, ils devaient tourner vers Venezuela. Oui, j'avais investi, tellement par le là, vous avez investi là dans la question de l'Ukraine. Donc, vous comprenez que, effectivement, et c'est la mort du Jovenel. Et il faut que toute piste soit sur la table là pour jouer qui est-ce qui était tout le Jovenel, pour être qu'est-ce qui est la routine, pour qui est-ce qui a des moyens, avec intelligence pour mettre toute piste sur la table là. Dernier point, mais. 2-3 minutes. Non, 2-3 minutes. Où vous dites, vous présentez comme avocat l'État haïtien, toujours? Bon, sous parler. Moi-même, partie qui est plus important pour moi, c'est la déclaration que M. Newton Saint-Just fait là. Côté que li parlait de Léon Charles qui retiré parti qui gagne rapport avec moun qui fait l'argent passer dans banque dans pays d'Haïti pour rentrer aux États-Unis d'Amérique, moun qui fait l'argent passer dans banque en République Dominicaine pour joindre des assaillants yo, représentant assaillants yo pas, m'pa konnen. Et justement ça parti ça li extrêmement important pour nous. Mais justement nous même dans Infobeto nous à la recherche de la vérité. Ça nous pas bay vague et n'a pas avancé adelante, n'a pas avancé jusqu'au bout. Et nous croyons dans ça. Parce que nous croyons que tout un président dans le pays, et puis pas jamais une vérité sous lui, nous croyons que le pays ça pas jamais une stabilité, ça pas jamais exister. Le peuple ça pas jamais entendre. Il y a une hypocrisie totale qui a fait dans le pays. Il y a toujours des crimes comme si qui a fait n'importe qui dans le pays. Parce que des vérités qui peuvent établir. Là, nous finissons tout le monde, nous garantissons. Peuple qui a mis tête ensemble pour regarder comment on est capable de démarrer le pays. Mais si nous quittons ça, ça là. Si nous quittons les gens qui sont tous président, à fonctionner sur le monde comme ça dans le pays, je garantis que le peuple n'a jamais de vérité qui a établi dans le pays. Et Haïtien, absolument, pour manger Haïtien toute la cette journée. Parce que le crime, ça, il n'est pas arrêté impuni. Si nous quittons les impuni, je ne vais pas nous mentir, nous ne pouvons pas supporter ça.
Et comme c'est ça que nous voulons, mais ça pour faire que la fête autrement. Son révolution sanglante qui pour faire pour marcher prendre les Syriens, Libanais, les Palestiniens, avec tout représentant qui est dans la politique, avec tout défenseur qui est dans les droits humains, avec tout gang qui est dans la justice, pour foutre du feu sur eux, pour foutre marcher tout dans le pays. Papa, ici, moi, je vais rendez-vous 6h boule après-midi à même, 6h PM. Moi, je vais vous jeudi à 10 septembre, c'est 20 signatures livre et le rêve assassiné à Pétionville. Et faut lâcher le livre ça, il faut mettre déjà des gens qui déplacent pour chercher le livre ça. Et dans Pétionville, pour résoudre habité non. Kembe là, moi je en pile, rendez-vous 6h PM pour dossier ça, nous faire suivre des lits. Léon Charles, ou gen question pour répondre nation. Nous parlons pas la voix à 6h PM après-midi. Kembe là, moi je en pile, info bientôt. Moi je en pile. Gardez tout ça, m'badage avec. Ou pas comprendre que m'le fait valer. Non, m'ba m'begin l'autre après. Tout ça, ou pas j'en suis. Pendant pas prémé, ou m'ka fait ou fri. Ou quand même j'allais faire m'appeler de courir. Kite, bébé. Si ou pas qu'à gérer, faut pas penser m'aider.